Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon version noire en mode random. Et la dernière fois, nous avions battu, on avait déjà battu la première arène du jeu. On avait fait le premier tirage au sort qui donc fait partie de notre challenge en plus du random, à savoir qu'à chaque arène battue, je tire un chiffre au sort entre 1 et 6 comme sur les dés, et en fonction du chiffre qui tombe, eh bien il y a une contrainte ou pas en fonction du chiffre qui tombe, et on est tombé sur le 5 d'entrée de jeu qui est le seul chiffre où je fais disparaître, donc relâcher un de mes Pokémon au hasard parmi tous ceux que je possède. Heureusement pour moi, c'est tombé sur celui dont je voulais absolument me séparer, dont je n'avais absolument pas besoin, le Chunity qui a été donc relâché. Et nous sommes actuellement dans la ville de la seconde arène du jeu, et oui, déjà, il n'y a pas le nom de la ville qui s'affiche, je suis en train de me poser la question. D'habitude, t'as le nom de la ville, t'as le nom de la ville qui s'affiche, non? Ah oui, Maya, voilà, je cherchais, mais je me souvenais de la ville, mais je voulais le voir s'afficher, c'était plus joli. Et du coup, nous allons affronter donc la seconde arène du jeu qui est dans le musée. On a capturé la dernière fois un nouveau Pokémon, on a capturé un Typhlosion, mais un Typhlosion adaptabilité quand même en talent. Adaptabilité du coup qui donne un double stab sur ses attaques de type feu, évidemment. Et comme il a feu sacré et déflagration, ça fait quand même un gros stab physique, un gros stab spécial, qui a à chaque fois la puissance doublée par le fait que adaptabilité double le stab. Ce qui fait que au lieu d'obtenir une puissance de 50% habituelle sur les attaques de type feu, et ben c'est multiplié par 2. Ce qui fait que la déflagration de ce Pokémon atteint naturellement 220 de puissance quand elle est lancée. C'est quand même pas rien, faut le dire. Donc voilà, ça promet. Du coup, on va se rendre à cette fameuse arène sans plus attendre. Et bien sûr, si on la gagne, on refera un tirage au sort. Mais je pense que ça, vous l'aviez compris. Quoique, on peut peut-être aller dans la zone de gauche. Parce que c'est vrai que nous avons peut-être un Pokémon à capturer. Alors, dans une des zones, on avait rencontré du coup un Latios. C'était 94 pics. Ça, on s'en fout. On avait, mais on peut pas capturer les légendaires. Plutôt, on va décider de ne pas capturer les légendaires. Et on a un Teddy Ursa. C'est pas si dégueulasse que ça, Teddy Ursa. Allez, Teddy Ursa, on prend. Ça a évolué niveau 30, je crois. Par contre, c'est vrai qu'il y a la Fumigraine. C'est une attaque spéciale. Par contre, on a vite extrême sur Teddy Ursa à lui apprendre. Et voilà, on a capturé Teddy Ursa, donc on va lui donner un petit nom. Comment est-ce qu'on l'appelle? Ah, c'est une femelle. Comment est-ce qu'on l'appelle du coup? C'est un petit ours. Enfin, c'est une oursonne du coup. J'ai pas d'idée. On va l'appeler. Moumout. Je sais pas, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit donc. Pourquoi pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Destruction, éclat de griffe, attrition. Bon, destruction, on va éviter. Hein. Par contre, on peut tout de suite lui apprendre vite extrême. Je pense que c'est juste évident. Surtout pour sa rig est assez lent, donc c'est vraiment assez pratique sur une attaque stabée comme ça. Et sur une priorité qui plus est. Du coup. Enfin, je t'ai pas combattu, quoi. Elle peut nous soigner, c'est bien. Dans la forêt d'Orpène, je sais pas si je peux le capturer maintenant, le Pokémon aussi. Donc, il faut attendre de faire l'arène d'abord. Je crois qu'on est bloqué. Alors, on va voir les dégâts de vitesse.
sur un médical, je prends un gros risque. Ouais, je suis mort. Je voulais voir les dégâts que ça faisait, mais je suis pas assez au niveau, c'est pas grave. Ouais, hop, on va voir. Ouais, faut retirer les dégâts. Soigne maintenant. T'inquiète pas, je penserai à toi. Du coup, on a dit les options. Vitesse du texte, animation de combat. On va laisser ça en choix, évidemment. Donc, du coup, ah voilà, on est bloqué, j'avais raison. Donc, ce sera après l'arène. C'est bien, on va Absol. Ça va me faire perdre. J'espère que t'as pas d'attaque combat, mon ami. Oh, c'est une grosse baffe. Petit qui fait plaisir niveau 14. Puis y'a Shao Fui, ça par contre on dégage. Dreamworks, va peut-être venir. On a une neutralité combat, il est niveau 13. La rapace. Allez, Papillops. Papillops, c'est tellement de la merde. Ce truc n'est jamais capable de one-shot, hein. Clairement. Sur, il y a incroyable. Et le niveau 15, c'est ça. Oh, canicule, en vrai. Regardez la pression. Ça n'a pas une grosse attaque spéciale, effectivement, mais c'est des coverages. Coverage comme un autre. On va pas s'en plaindre en début d'aventure. Après, c'est sûr que si t'as. Oui. C'est toujours mieux. Hein. C'est ça comme ça. C'est mieux, hein. Heureusement que j'ai pas eu Canard Tichot. Hein. Le fan de Canard Tichot Giga s'en sous complet l'a piqué. Bonjour. Il y a un Wind. Avec sa vie florissante. Il est paré. Extrême. Ah, il m'a burn, le connard. Ah, c'est ça tue du coup. Ça tue quand même. Le burn. Miaus. Oh. C'est pas grave, fais le fait pour mieux. Carnage. Merde, on va pas. Oh, si on avait Karchakrok dans notre jeu. Ça se trouve, ce serait un Karchakrok absenté, il existe une force au début calme, mais on va rien comprendre à notre douleur. D'ailleurs, quel est son talent à. Comme ça. Je vais dire ça, j'ai même pas vu le talent. Bah oui, c'est la première des choses à faire. Il a motorisé. Oh, il a une immunité électrique. Honnêtement, ça, on va pas s'en prendre. Par contre, il a une nature neutre. Hein. Non, il a une nature. Il est rigide. Oh, rigide. Bon, il a fumigrène canicule. Il est rigide. Ah oui, c'est pour ça qu'il fait mal. C'est pour ça que ça fait mal. Oh, il a la meilleure nature pour sa ring, clairement. Et toujours le jouet jovial aussi.
honnêtement, la petite moumoute rigide, on va pas s'en plaindre, hein. Alors. Allez, je me dégage. Le fameux Carapicho Erdo. Laissez-moi partir, s'il te plaît, merci. Allez, du dresseur pour XP. La main Florian, alors, on va tester. Voilà les dégâts de fumigraine sur ce truc. Là, il est. Au moins, ça. Sur l'attaque suivante, ça fait beaucoup plus mal parce que ça laisse à moins de SPDF. Et ça peut même aider à faire des dégâts avec Kamiko. Forte paume. Ok, il reste encore des dresseurs à vaincre, je le sais. Je connais ces zones par cœur. On va battre tout le monde. On continue à nous donner de l'XP. Parce que c'est important, bien sûr. Bonjour. Canicule pour le toucher. Le fameux bruit sécrétion. Bon, les dégâts. C'est pas ouf, hein, mais. Oh, il a fait charge foudre! Merci! J'ai de la chance au niveau des talents, en vrai, j'ai vraiment le bon truc. À part. C'est qui avait mis un tyran, c'est les rocs. Oui, ah oui, il y a que ça. Mais... Oh, un mini draco si on se voit. Ouh, la colère. Coder un mini draco, c'est pas rien. Filet ball. Filet ball, why not? Why not? Why not? Bon, on peut se casser d'ici, du coup, on est bon. On n'a pas besoin d'aller au centre Pokémon pour qu'on ait une infirmière sur le passage, hein, évidemment. Du coup, je propose d'aller directement à l'arène, mais on va évidemment combattre N, hein, pour ceux qui connaissent le scénario, ou pas. C'est qu'on combat devant le musée. Alimenta, un très bon niveau pour moi. Mais bon, Alimenta, ça va. Hein. C'est pas la mort, allez, extrême sur lui.
Bah si, on va changer de Pokémon. Il n'a pas lavabo. Me semble bien. Est-ce qu'on mettrait Neymar ou Goku? On va mettre Goku. Ouais. Je pense qu'il a des bons de surprendre avec son, sa déflagration adaptabilité. On avait la moindre. Bon, alors lui, il va se prendre une tarte de l'enfer. Alors là, c'est d'ailleurs, désolé pour toi. Je t'aime beaucoup comme Pokémon, mais ça fait du bien. Oui. Ok, c'est parti dans l'arène. J'ai pas besoin que tu me fasses visiter le musée, hein. Tu peux faire ta vie tranquille. Je crois que c'est peut-être un simple caillou. On va aller jouer au caillou. On va combattre la mamma. Une eau fraîche. Ah, il n'y a pas de musique normale, mon ami. Il faut chercher des livres dans cette arène. Bien bizarre, hein, sur le terrain. Alors, il est... Oh, sécheresse Herbizarre! Oh, mais oui! Sécheresse Herbizarre, mais ça, c'est parfait. C'est parfait pour moi, ça. Oh là là, ça booste les dégâts de canicule, merci. Bah, surtout qu'en l'état, oui, il y a un bizarre sécheresse. Ouais, tu me diras, s'il a les boues, ça passe. C'est quoi, c'est enchanté petit Pokémon, le nom du lutin? Biologie des ratentifs, non. L'art du combat. Sur les 5 Pokémon. Les potions, c'est trop bon. Légende illustrée. Enchanté petit Pokémon, ouais. Le premier Pokémon que j'ai rencontré dans cette arène, hein, c'est un ratentif. Même si on a rencontré un air bizarre, c'est évidemment du randomisé, je le rappelle. Un petit combat et ensuite on pourra lire. C'est bon. Un petit peu affaibli, on va switcher sur Grimoire s'il vous plaît, qui résiste au type poison. Il a fait défense plus, mais nous avons psycho. Hop là. Je connais ça par cœur. Fan 2. Elle est Coralie Rossi. Je suis sûr. Le fameux Sulfura alerte neige qu'on avait déjà vu précédemment. Il y a coup de corne. Évidemment, une corne qui n'existe pas, mais. Ça ne va rien dire. On va switcher sur Neymar, s'il vous plaît. Oh! Je
et les kinés. Oh, ouais, c'est... Oh, les kits de lavabo! Incroyable, les kits de lavabo. Il a revenu. C'est lui. Bah, tu vas prendre cher, c'est lui. Allez, de ouf, le gros one shot. Danse du feu. C'est pas mal, danse du feu, en vrai. C'est mieux que des flammes. C'est mieux que des flammes, parce que des flammes, ça peut rater. 5 points de puissance seulement. Danse du feu peut booster l'attaque spéciale. Sachant qu'on a adaptabilité et que l'attaque elle-même est boostée par adaptabilité. 160 de puissance quand même pour une attaque. Ça reste ça. Hein. Faut quand même... C'est plus puissant qu'un ultra laser neutre. Et 100 tours de recharge qui plus est. Donc, je rappelle que si on gagne l'arène, donc le combat qu'on va faire maintenant, on refera un tirage au sort, mais je pense que vous allez avoir... L'habitude maintenant, il reste encore 7 arènes, y compris celle-ci. 7, hein, le chiffre 7. Je pense que vous avez compris ça aussi, hein. Mais pas un vrai jeu de mots. Bref. Oui, il faut lire le livre, effectivement. Oh, Lugia. Ok. On va essayer de l'affaiblir un petit peu, Lugia. Et... Aéroblast. Moi, c'est vraiment efficace. C'est vrai que c'est type 6, ce truc. C'est juste de l'affaiblir un petit peu. Pouvoir antique, oui. C'est un bon début. C'est un bon début. En chair, c'est moins fort. Relax. À moins qu'il ait un talent troll. Double faiblesse, ça ne tank pas, évidemment. Et on gagne largement. On passe de Lugia à Umbrellax. C'est génial. Et le badge basique est en notre possession. Et donc, qui dit badge à remporter, dit tirage au sort à appliquer. Et on va le faire dans quelques instants. C'est 67 Ecoq. Waouh! Le petit monde de soins. Alors, on va faire le tirage. C'est parti. Et c'est un 2. Parfait le 2, ce qui signifie que la prochaine zone, donc la forêt en l'occurrence, la forêt d'Empoigne, j'aurai la possibilité de capturer non pas un Pokémon, mais deux Pokémon. Et oui, c'est une double zone qui va compter. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire.
pouvoir sortir. On va faire face à la team Plasma. À quoi ça leur sert de poser un crâne? Donc ça c'est le champion de la ville suivante. Qu'est-ce que mon fils cherche objet si tu savais? Oui, restez là et laissez faire le professionnel. Ça vaudra mieux pour vous. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo, du coup, et la prochaine fois, on se rendra à la forêt d'empoigne pour arrêter la type Plasma, et en même temps, on capturera, et on espère, 2 Pokémon de plus, hein, ce serait plutôt pas mal. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.